Bonjour à tous, Quintet Plus pour ce 3 janvier à Deauville sur le sable. Alors j'aime pas les lendemains de fête, ces périodes un peu tristounettes, on a pris nos bonnes résolutions. Alors pour être désagréable pour une fois avec vous, interro surprise, sortez vos cahiers et vos stylos. Ah oui, c'est la rentrée, c'est dur, je le sais. Allez, Deauville, vous me planchez sur la performance du 13 décembre avec Plateado le favori. Vous me parlez tout le temps de valeur, moi je vous en parle jamais, mais là on va parler de valeur une bonne fois pour toutes. Plateado ce jour-là, il est à 59 kg et il gagne facile et il porte aujourd'hui 59 kg. Alors les néophytes vont me dire, eh bien il a le même poids. Pas du tout, parce que deuxième Ideal Man qui était à l'époque à 56 kg, il a aujourd'hui 52 kg et demi, ce qui démontre qu'il a perdu sur cette performance 3 kg et demi. Merci monsieur le handicapeur. Et c'est là ensuite, c'est un peu troublant, c'est pour ça que je vous donne un cours sur cette course. Noblesse d'Argent, qui est dans les favoris, qui est troisième, au lieu de perdre 3,5 kg, elle n'en perd qu'un. Dans cette course référence où elle finit troisième, elle était à 53,5 kg, et là, elle est à 52,5 kg. Autant dire qu'elle n'est pas des mieux placées par rapport à Ideal Man. Et puis sixième, Sinbaya, qui était à 53,5 kg, qui en est à 51,5 ici, elle perd 2 kg. Donc on voit que Ideal Man a un gros cadeau de la part du handicapeur, un peu injustifié, même s'il y a des charges pour les jockeys. Merci monsieur le handicapeur. Et puis le 11, Chacun No Steered, avait 60 kg, il n'en a plus que 55,5. Il finissait 11e, il perd 4 kg. Et demi, mais c'est un cheval qui est décevant, mais qui pourrait profiter de cette décharge pour se retrouver à l'arrivée. Allez, on va maintenant s'attaquer à mon pronostic. Alors tout le monde, beaucoup de mes confrères mettent Richemont en tête de leur sélection. Je vais vous expliquer pourquoi je ne le mets pas en tête, puisque je mets Maudire le numéro 6. Il reste sur 3 succès. En 5 sorties, c'est 4 succès. C'est un cheval que j'aime bien, il est sur la montante et surtout il a un poids raisonnable, il est à 55,5, pas trop chargé, en pleine forme, je pense qu'il peut l'emporter. Ensuite, on retrouve Christophe Soumillon qui fait sa rentrée française en selle sur Richemont, ce numéro 1. Tous mes confrères disent qu'il va gagner, moi c'est un cheval que j'aime bien, il a figuré au niveau des quintés, c'est le meilleur de loin, mais... Il a 61,5 kg, c'est début de saison, enfin on est dans le meeting hivernal des pistes en sable fibré, mais c'est un cheval Richemont que l'on va voir dans de plus huppés quintés cette année, et s'il veut être à l'arrivée de quintés un peu plus prestigieux, je pense notamment à Longchamp, il n'a pas intérêt à prendre trop de poids. C'est pour ça que je vous le dis, même si Christophe Soumillon se voit gagner, Richemont n'a pas trop intérêt à prendre du plomb en ce début de saison. Le 2 Chipiron est un cheval de grande qualité. D'ailleurs, il a démontré qu'il pouvait faire pratiquement jeu égal avec Richemont le 2 décembre. Il le retrouve avec un avantage d'un kilo et demi. Donc, on peut le suivre en confiance. On tient là 3 bons chevaux. Et puis, on va rajouter Plateado, le numéro 3, je viens vous de démontrer par sa course référence et sa victoire qu'il a de belles lignes, puisque précédemment il avait fait des valeurs, il s'était planté à Fontainebleau dans un quintet, mais là, ici, le lot n'a rien d'extraordinaire. Alors la ligne d'Ideal Man Plateado semble la ligne référence du quintet, mais j'ai l'impression que Plateado, ce jour-là, a gagné en cheval déclassé, et que la ligne derrière, sauf pour Ideal Man, est peut-être un peu plus faible que prévu. C'est sur cette impression que je ne vais pas mettre toute la ligne. Et puis après, je mets mon coup de cœur. Il est annoncé à 25 contre 1. C'est le 13 Badges Time. Il va arriver à la bonne heure. C'est un cheval qui a été supplémenté au dernier moment, tellement son entraîneur y croit. Je partage son optimisme. Je pense que ce numéro 13 va nous porter bonheur. Sa récente deuxième place à Deauville est intéressante. Et je peux vous dire qu'il avait bien couru à Longchamp au mois de mai et à Saint-Cloud au mois de mars, notamment en mars sur une piste profonde. C'est un cheval qui me semble intéressant à jouer et à vous proposer
en coup de cœur, surtout que vous allez voir qu'il y a beaucoup de jeux de la finale dans cette course. Comme je vois bien, le 3 Platé à dos, le 3 appelle le 13. Et puis le 4 Truco est un véritable métronome. Il n'a couru que 5 fois, toujours dans les 5. Estimé, son poids de 57 kg n'a rien de prohibitif. On peut donc le suivre en confiance. Et puis on va mettre ce fameux Edelman, ce numéro 14. Je viens par une leçon de tiercé de vous démontrer qu'il avait un énorme cadeau de la part du handicapeur. À lui d'en profiter, il vient des pays de l'Est. Il fait un très long déplacement en camion pour honorer cet engagement. L'avantage pour lui, c'est qu'il a tiré le 1 à la corde. Vous le savez, ça tourne assez rapidement, mais là, on est quand même sur 2500 mètres. Donc, les places à la corde ont moins d'importance que sur de plus petites courbes. Voilà. Et je termine avec le jeu de la finale qui m'a inspiré, un petit peu la fin de mon prono. Vous avez vu, je voyais le 4 Truco, le 14 Edelman, le 4 appelle le 14, le 3 appelle le 13. Eh bien, je me suis dit, mais Jean-Marc, quand j'ai fait mon raisonnement de la finale, je me suis dit quand même, le gros favori de la course, c'est le 1 avec Soumillon. Donc le 1, il appelle bingo. Le 11, que mes confrères ne voient pas, le 11 qui va être à 30 contre 1. Écoutez ses performances. 5e, 5e, 3e, 5e, 2, 2, 3, 3, 1. Et elle vient de gagner dans un terrain qui ne lui convient pas, sur une piste qui n'était pas son avantage. Et là, son entraîneur est chaud bouillant. Il sait que sa pouliche est au mieux en ce moment et qu'elle sera encore plus à l'aise sur cette distance et sur la piste en sable fibré. Que dois-je rajouter? J'aurais pu vous l'indiquer en coup de cœur à 30 contre 1, Lady Lily. Alors, bien sûr, j'ai oublié les Z, Eh bien, il faut faire confiance à cette petite pouliche. Moi, j'y crois. Après, c'est les quintés de galop sur le sable. Ça peut être tout et n'importe quoi. Donc voilà, j'ai enlevé de ma sélection le 7 Vent à l'eau. C'est un Rossi, souvent en forme à Deauville, avec Thuillier, jockey redoutable. Mais excusez-moi, j'ai regardé son papier. Il ne m'emballe pas, son papier. Troisième chez nous à Lyon-la-Soie. Il est battu par pas grand-chose. Deuxième à Borély. Bon, non placé le 4 novembre à Paris. Oh là là, chez nous. Sixième à Borély. Sixième, bien battu. Il y a 8 longueurs d'écart à Saint-Cloud. Et ben c'est mon regret, mais je ne l'ai pas mis parce que son papier ne m'emballe pas. Mais c'est vrai qu'il faut toujours faire attention à Deauville, au Rossi. Ils ont une grande réussite. Voilà. Allez, refermez vos cahiers, allez jouer. Bonne chance à vous.